sûr que détruire ces nids énerverait quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. C'est pour elle. Se couvre. Ah, une Bergsra. J'étais sûre que détruire ces nids énerverait quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Ça ne change rien pour elle. Je m'en charge. Duratlas. Ça va? Oui. Et toi? Prête à sortir d'ici. Rentrons à la maison. Tu sais, je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil pour toi? Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté? Je le pensais. On rebrousse chemin? Faisons plutôt le tour de... Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir? Certains. En rêve. Eh, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi? Vraiment? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Qu'est-ce que c'est? Quoi, les lucioles? C'est dangereux?
et adorable. C'est joli. Oui. On arrive juste à temps. Pourquoi ? Oh, waouh ! Je sais que ça a pu être étrange, mais je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme ? Tu veux dire après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas débordée. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y a quoi en haut ? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y... Je pensais à ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi, Doran. C'est pas trop tôt. Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Qui était-ce ? Grilla. Elle. Non. Que lui est-il arrivé ? Je ne sens... rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Oui, j'avais vu. Je te couvre. Si Alpha. Non !
gueule, toi. Grilla, ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi ? C'est ma grand-mère. Quoi ? Elle n'a pas toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son défaut, nous allons devoir trouver un moyen de passer. Est-ce comme l'un de ces arbres qu'on a vus ? Quelque chose de l'autre côté ? Je regarde. Bien. On peut poursuivre. Yeah!
Je te couvre. Je ne sais rien à son sujet. C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. Où je pourrais monter. Qui Alpha? Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux? Elle peut vivre des instants de leur vie et se sentir libre. Le souffle du vent sur leur voile lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Mais rien n'est vrai. Oh. Grilla est toujours dehors. Waouh, tout est tellement grand. Où est le loup? Il y a une porte menant au sous-sol ici. Elle y enferme peut-être les animaux. La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki. Hé, on connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par... Ça ne veut rien dire. Presque. Je crois que j'entends quelque chose respirer vers le fond du sous-sol. Moi aussi, mais je n'entends pas leur voix. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. On n'a pas déjà vu ces tonneaux ? Voilà.
Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Qu'est-ce que... Pas trop. Quoi ? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non ? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr ? Non. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Vecchia. Vecchia. Ça a marché ? J'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki, tu en es certain ? Je m'appelle Atreus. D'accord. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Pas possible. C'est... Yala ? Bien vu. Celle-là est vraiment vieille. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Thank you.
Dans un instant, tu auras tout oublié. Non. Mais elle va le tuer. Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Vas-y. Tu étais prévenu! Je t'avais interdit de revenir! Cause toujours, regarde-moi! Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie! Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne préfères-tu pas qu'on l'affronte ensemble? Qu'est-ce que l'un nous a jamais apporté? Laisse-la de ta mère de nous quitter si tôt! Et celui de ton père, cette somme! Oh, mais. Tu n'es pas venu seul? Sortez de chez moi! Par ici, suis-moi. Plus vite! C'est ça! Courez! Monte par là, pour rejoindre la cuisine. Ah, où êtes-vous? T'es sûr de vouloir y retourner? Je te le dis, il le Je fait. Vous entends! Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Où es-tu? Tu te caches? Tu aurais dû rester avec tes peintures, gamine! Ne touche pas à ça! Le champion des Jotnars! Dans ma modeste demeure! Tu en profites avant que ton père passe l'arme à gauche? Ne parlez pas de mon père! Tu seras parfait en laquais, Donna. Taisez-vous. Ce sera un si bon père qu'il te fera oublier le tien. On n'a rien de temps. Taisez-vous. Oh, pourquoi me tourmentes-tu, gamine? Il faut que ça cesse! Spring Gun, Klaungu! Partez! Soldin, Jupker! Spring Gun, Klaungu! Elle est assommée.
J'ai honte d'être ta grand-mère. Arrête, tu ne penses pas. Sans ne m'approche pas. Vous ne le détruirez pas. Garbuda, attention! Descends du comptoir! T'acharnes-tu contre moi, petite fille? Ulfa-Uta ! Je t'ai rien fait! Tu ne peux pas continuer à voler des âmes! Ce ne sont que des animaux! C'est tout ce que j'ai! Hey, fool. Tire sur le chien.
J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en! Mais je... Fiche le camp! Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi! Pas même Loki! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire! Il sera trop occupé à pleurer son père! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents! Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher? Elle me laissait à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Par ici. Tu devrais rentrer. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois.